Silence dans la salle. Seigneur éternel, notre Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Les anges se prosternent devant toi, les archanges, les chérubins, les séraphins, ils célèbrent ta grandeur. Tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as créés par amour et tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Reçois nos adorations, reçois nos prières devant ton trône éternel. De toi nous venons, à toi nous retournerons. Tu nous as donné la vie. La vie est un don. Et tu veux, Seigneur, qu'on la partage avec toi. Et tu veux qu'on accomplisse nos destinées. Nous sommes au deuxième jour de cette grande conférence, Seigneur, que tu as voulu en Côte d'Ivoire. Nous voulons que ceux que tu as rassemblés ici, ceux pour lesquels tu as voulu qu'on fasse cette conférence, que tu impactes leur vie. Déjà avec le premier message, nous avons été impactés. Et que la suite, Seigneur, de cette journée impacte chacun de nous et que nous recevions de toi. Seigneur, merci pour ta grâce qui se manifeste. Pendant le temps, le deuxième temps de prédication, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort ?